Bernard Mattesias, Joshua, heading into the Wasab Delone Agglomeration Race Village for the 50th anniversary edition of the Golden Globe. And there'll be a bit of excitement when she turns up. It's fantastic to have her here. She'll be here for the whole time, right through leading to the start of the Golden Globe on the 1st of July. All of that will be broadcast live on France 3 TV, and we'll have it live on Facebook as well, in both English and French. So you'll be able to catch up with the start. At the moment we've got 18 entries in the Golden Globe, and there's one that's particularly challenged, and she's got a bit of a welcoming committee already. Some kids jumping up and down. happy to see her come through. So, and there'll be quite a few people waiting at the dock. It's a very monumentous occasion, with it being the very first time that both Suhaili and Joshua have been together for any length of time, side by side. Sir Robin and Bernard Mattesias only ever, well, very rarely met actually. It was many, a few years after the Golden Globe had finished, they got together, and Sir Robin describes it as being a case of Bernard being extremely generous, and they had interesting conversations. The hot topic, of course, that everyone wonders about: would Joshua have ever beaten Sir Robin over the line had he continued on in the race rather than do a second half loop around to Tahiti? And even Bernard himself suggested that he thought the race for him was lost once they left New Zealand. Anyway, he passed Cape Horn about 19 days after Suhaili, and then decided not to go back up to the real world to save his soul, as he said, and continued on round to Tahiti. The Joshua now is owned by the La Rochelle Maritime Museum and is an historic monument. And we had hoped to have her over in Falmouth for the start of the Falmouth 50 Parade of Sail with Suhaili, but it's quite challenging to get her out of the country, so to speak. So she wasn't able to join us there, but we're very happy to have her here in Wasab Delone. Looking quite fantastic as well. In fact, it must be a brand new paint job. It's looking nice and shiny. Everything's spick and span. And to my great surprise, I said in a previous broadcast that I thought the main masts were actually aluminium with timber booms. A few people here, everyone's impressed when they see Joshua, all giving her a bit of a round. But anyway, the reality is that it's still all timber rig. So the masts and booms are all timber and in extremely good condition. So I'm not sure what timber it is, but I think they're a bit lighter than the ones Bernard actually sailed around the world with, which were basically big light poles. Looking a really classic. So, very happy to be here. Incredible day. In fact, it's quite hot. Everyone's coming out to say good day. Voila. Yeah, big day. I might hand you over to Christophe here, and he can give you a French commentary on exactly what's happening. We'll be around the corner very shortly, so I'll pass over to him and I'll try and drive, and he can give you a bit of a blur. Okay, all yours, Christophe. Bonjour à tous. Écoutez, maintenant c'est l'entrée d'un deuxième bateau mythique dans le chenal des Sables d'Olonne. Il y a deux jours, c'était Suhaili, le vainqueur de la course originale du Golden Globe de 1968, remporté par Sir Robin Knox Johnson. Là, c'est Joshua, le bateau de Bernard Moitessier. Alors, il s'est appelé Joshua en référence à Joshua Slocum, qui était le premier homme à boucler un tour du monde à la voile en solitaire. Il a été construit en 1952. C'est un bateau en acier qui pèse près de 10 tonnes. Donc solidement construit et solidement dimensionné comme les bateaux de l'actuel Golden Globe Race. Donc ce bateau, il a une histoire un petit peu particulière. Il est pas mal lié à la littérature, parce qu'en fait, Bernard Moitessier, il l'a acheté au départ avec les droits d'auteur qu'il avait touchés de son ouvrage du Vagabond des mers du Sud. Et c'est le bateau qui lui a servi à écrire aussi l'ouvrage qui est devenu mythique par la suite, donc La Longue Route,
qui est un ouvrage vraiment fondamental pour les gens qui aiment la course au large et plus largement la navigation au large, parce que moi, Teussier, peut-être avant d'être un coureur, était un penseur de la mer et vraiment quelqu'un de très profond. Et donc ce bateau, le voilà, il rentre dans le chenal des Sables d'Olonne. Alors c'est assez marrant parce que avec Sueli, a priori, ils sont croisés, en tout cas d'après ce que j'ai regardé rapidement, qu'une seule fois. C'était en 2004 à Brest. Et donc là, ils se recroisent dans le port des Sables d'Olonne. Et bon, c'est un beau symbole. C'est une belle histoire qui continue à s'écrire grâce notamment au musée de la Rochelle, hein, qui a acheté ce bateau-là en 1990, et donc il l'entretient depuis et qu'il fait naviguer. Et apparemment il navigue beaucoup parce que d'après ce que j'ai lu aussi, c'est une moyenne de 150 jours par an. Donc c'est un bateau qui continue à faire rêver tout en restant très, très actif et en continuant à faire naviguer beaucoup de monde. Et voilà, donc c'est un bateau, on a posé la question tout à l'heure, donc là c'est des mâts en bois maintenant. À l'époque de Moitessier, c'était des... Lui, il avait mis des poteaux télégraphiques parce que ça coûtait pas très très cher. Voilà, c'est un ketch, c'est un bateau qui fait près de 10 tonnes, hein, donc qui est lourd, qui est, comme on le disait tout à l'heure, solidement construit, mais qui glisse bien sur l'eau, en tout cas d'après ce que j'ai vu, c'est quand même un bateau qui a de la glisse, et il en fallait parce que Moitessier, au terme de son périple, donc au terme de cette longue route qui l'a fait bifurquer avant l'arrivée où la victoire lui était promise, il a continué à naviguer jusqu'à Tahiti, et ce voyage, quand on cumule les milles qu'il représentait, on arrive à un chiffre assez fou de 37 455, soit près de 70 000 km. C'est assez extraordinaire quand on y pense en termes de distance et de solitude. Enfin bref, lui, ça lui convenait à Moitessier. A priori, c'était pas un problème. Et en tout cas, c'est ce qui lui a permis d'écrire des pages magnifiques que je vous invite à relire à l'occasion de cette course que nous allons revivre en temps réel, au rythme d'un temps qu'on va tâcher de retrouver à 5 nœuds de moyenne peut-être, ou des vitesses auxquelles on n'est plus habitué sur des distances pareilles, mais qui vont être intéressantes à vivre malgré tout. Donc voilà, entrée de Joshua dans le port des Sables d'Olonne, qui est devenu entre-temps un port quand même habitué des tours du monde. Et voilà, c'est un beau symbole qui s'apprête à... Ah, alors, des petits soucis de circulation. Sorry, guys. Excusez-nous, on filme en même temps, alors c'est pas facile. Bon, ça va, tout s'est bien terminé, on a évité l'accident. Donc voilà, entrée de Joshua dans le chenal des Sables d'Olonne. Et c'est un beau moment d'histoire parce que, mine de rien, le Golden Globe de 1968, c'est ce qui a inspiré toutes les grandes courses à la voile en solitaire. Et qui a fait rentrer le port des Sables d'Olonne dans l'histoire de ces grandes courses-là, avec le Vendée Globe en 89. Le temps passe, hein, le temps passe vite, c'est pour ça qu'à la limite, si on peut le faire se ralentir un petit peu, écoutez, c'est pas si mal. Voilà, donc ce bateau, il navigue à La Rochelle depuis 1990, et il a été bien retapé, bien remis en état, bien remis en condition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ils naviguent énormément, donc ça permet à plein de gens d'avoir leur petit... de vivre leur petit moment d'histoire, ou en tout cas d'approcher ce bateau de légende et de naviguer à bord. Ce qui est quand même assez sympa.
Ouais, on voit qu'il est vraiment très bien entretenu, hein. Un beau rouge pétant. Et donc voilà, des mains en bois, une baume en bois, donc ça, ça a été changé. Voilà, arrivé en douceur. On peut voir la forme quand même particulière de ce bateau qui est assez pincé à l'avant et à l'arrière. Avec une bonne cabine derrière. A priori, c'est séparé en trois grandes zones. Alors on vous donnera des précisions là-dessus tout au long de la semaine. Mais en tout cas, voilà, vous le voyez entrer tout doucement sur le ponton du Vendée Globe où sont amarrés maintenant tous les bateaux de la Golden Globe Race. Et au troisième plan, on voit Suheli. Je crois que Sir Robin est à bord. Il va accueillir son ancien concurrent. Savoir que Moitessier était quand même bien parti pour remporter la course. Hein. Il avait, parce qu'il était parti bien après Sir Robin et il avait... Il avait beaucoup moins de temps pour parcourir la même distance. Il a décidé de bifurquer, alors selon ses propres termes, pour sauver son âme. Parce qu'il voulait refuser l'honneur et l'argent. Et toutes ces choses qui lui apparaissaient futiles, sans doute, après autant de temps passé en mer, au contact des éléments et des éléments mystiques qu'il affectionnait tant. Voilà, vous voyez, Joshua et Sueli en fond, c'est quand même une image assez exceptionnelle. Là, je vais vous laisser parce que je vais prendre quelques photos maintenant. Okay, so thank you, Christophe. We're just about to do a circle in a minute and come in alongside Suheli, which is already there. They'll tie alongside. There used to be a very interesting trim tab self-steering gear on that outboard rudder at the back of the boat. And it was very simple. Had a feathering timber vane on the top with an adjustable clamp and a trim tab that would be set to sail a course with the relevant breeze, and if the boat went off course, it would move the trim tab and get him back on course again. Of course, Sir Robin's self-steering gear, which was two big vanes either side of Suheli, failed when he was underneath Australia, and he sailed the rest of the way by balancing the sails. These long keel boats with outboard rudders don't maneuver so well, especially in reverse. They're not like fin keel boat, they just spin on the spot, so he's doing a three-point turn, and anything could happen when you hit reverse. So, we'll move this one over here a bit. Oh, it's not a bad spot. So Robin sitting there on Suheli at the moment with the red cap, waiting to welcome Joshua. Wow, it's getting hot here now. I think 30 degrees is forecast. Wasn't that long ago, just a few months, when it was snowing on the beach here. I think there'll be quite some people coming down over the weekend and so on, just to check out the historic fleet. We've got a replica of Captain Brown here for those Golden Globe devotees. You'll know who Captain Brown is. One of the boats that didn't quite make it to Cape Town. Steel hull. 5mm plating,
against a 2-inch thick teak hull built in India. And Suhail, Joshua, of course, was built here in France. Quite a story to that process. Ces bateaux légendaires, ces bateaux sur lesquels Sir Robin Moss Johnston, qui est à bord du Swahili, et sur lesquels Bernard Moitessier, qui malheureusement vit, et bien c'est né en 1994, et bien son bateau est toujours là grâce aux amis du musée maritime de La Rochelle. Ces bateaux, il y a 50 ans, et bien plus pour elle. Dans la première et unique édition de cette Golden Globe, la Golden Globe de 1968, ils nous font un véritable honneur d'être présents ici au Sable de l'Homme en 2018. Well, that's a bit of fun. They're alongside each other. That's cool. Quite a special moment. Interesting to see the comparative sizes. About the same freeboard. Joshua's a little bit longer, obviously, but a lot finer, a lot more. You know, maybe slip through the water a little bit better, of course, which was proven by the day's daily passages. But all pretty good. Okay, so we might hold that here and head ashore and catch up on the action when it's there. So thanks for watching that bit, and we'll see what happens from here on in. Okay.